C'est dans cette forêt qui fait la marque du village provençal de Jouques que nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous vous présentons sur TF1 Culte un reportage mêlant paysages et interviews des locaux. Découvrez avec nous cette formidable immersion dans un cadre rural inédit. Comment vous sentez-vous dans cet environnement ? Bah écoutez, je suis arrivé il y a déjà 4 ans et je dois dire que ce sont les 4 années les plus productives de ma vie. Et puis, le matin, courir nu dans la forêt. Comment je me sens ? Bien, on dirait que tout y trouve son équilibre. Vous savez, se réveiller le matin, ouvrir les volets et entendre chanter les oiseaux. Et puis vous avez vu toutes ces couleurs ? N'est-ce pas magnifique ? Bien souvent, les gens qui viennent ici cherchent à se retrouver, se réinventer. Mais c'est précisément ces gens-là qui finissent par se perdre en chemin. Bon bah, merci beaucoup monsieur. Bonne journée. Au revoir. Pardon. Mais c'est une blague, là. Comment il a fait pour pas l'avoir, celle-là ? Théo ? Ouais ? Comment t'as fait pour rater cette conne qui s'est incrustée dans nos plans ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Regarde. Y'a personne, là. Si, y'avait quelqu'un, là. Non, je t'assure qu'il n'y a personne là. Mais il y avait une blonde juste avant. Va te coucher, s'il te plaît. Demain, on se lève tôt, on travaille demain. Il n'y a personne sur le plan, t'inquiète pas, va te coucher. Allez. Bon, ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Bah ici, c'est pas mal là, non ? Ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais te dire déjà ? Ah oui, après, il y a un villageois hier qui m'a dit qu'il y avait un plateau super sympa. Au bord d'une falaise, je crois que c'est par là-bas. Okay. Il m'a dit que si on arrive au moment du coucher de soleil, ça peut être joli. Donc en vrai, on tente. Hein. Bah allez, moi gauche, je te suis. Vas-y. Mais quoi ? Quoi ? T'aimes pas le plan ? Si, ça va. Mais il est très bien. Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, viens, vas-y, ça va, on tourne. Bon, allez, on s'y met. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Action. Bonsoir, c'est après 2h30 de marche que nous nous retrouvons sur le plateau du Concorse pour assister au meilleur panorama... Au meilleur coucher... Coupez. On va la refaire, t'es pas trop dedans là. Ouais, on la refait. Ouais, ok. C'est bon, t'es prête ? Attends une minute. Ouais, c'est bon. Action. Bonsoir. C'est après 2h30 de marche que nous nous retrouvons sur le plateau du Concorse pour admirer ce merveilleux coucher du soleil au plus beau panoramique de la région. Thank you.
Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Celle que j'ai vue. Question à toi. Dans les rushs. Dans les rushs d'hier, tu reviens encore sur ça alors qu'il y avait personne? Vas-y, on va la voir. Non, mais faut que t'arrêtes à un moment donné. Mais si, là, alors, tu l'as vu, toi. Il y a personne. Tu l'as vu, toi, si, là. Oui, c'est une femme normale. Non, elle était dans les rushs. C'est une passante. Elle était dans les rushs. Mais on va pas la voir, on a autre chose à faire. Mais vas-y, on y va. On doit tourner dans 10 mais minutes. Qu'est-ce que tu racontes? C'est bon, on peut perdre 10 minutes pour voir ça. Tu veux quelque chose? Théo, tu veux quelque chose? T'es déjà venu ici? Pardon? Je veux dire, avant qu'on vienne travailler pour le reportage. T'étais déjà venu ici? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, peut-être t'habitais là, tu connaissais le village en tout cas. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais, et cette... Pose le couteau, s'il te plaît. Et cette personne que tu me dis tout le temps avoir vue, elle habitait là, elle aussi, avec toi? De toute façon, t'es bizarre depuis qu'on est arrivé ici. Pour se perdre en chemin. Julie, tu m'écoutes? Non, on en a parlé tout à l'heure. Non, je ne veux pas. Mais lâche-moi. Mais lâche-moi.